j'ai considéré que cette maman Olive, ce qu'elle est en train de faire, ça se limite aux choux, ça se limite aux manioc, aux tomates, et aux petits mouvements, grands soient-ils pour les uns, petits soient-ils, ce mouvement-là de déplacement, aider les orphelins et autres. Mais finalement, je viens de me rendre compte, c'est toute une structure qui pouvait avoir la valeur d'une structure d'État. Mais contrairement à ce que ça représente, c'est une initiative d'un individu. Et un individu qui fait beaucoup de choses sans que l'on s'en rende compte. Et pourquoi il faut découvrir? Parce que moi, je viens de découvrir grâce à cette maladie. Je suis arrivé, je suis tombé malade, on m'y a conduit. Je suis arrivé, comme vous me voyez là-bas. On me soigne à l'extérieur, notamment à New Delhi. Mon hôpital, c'est Apollo Hospital. J'ai déjà été à l'hôpital du service national de Londres. Ce que j'ai trouvé ici, par rapport d'abord à l'accueil, c'est fantastique. C'est différent de tous les centres médicaux où je me suis retrouvé ici, chez nous. On ne m'a pas exigé l'argent. On ne m'a pas exigé l'argent. On m'a reçu. Après m'avoir reçu, on a commencé à s'occuper de moi. Pendant que l'on s'occupait de moi, je me sentais comme si j'ai créé un crime. Est-ce qu'ils savaient que j'ai l'argent ou je n'ai pas d'argent? À un moment, madame a posé la question, bon, il faut nous donner aussi la facture. Non, la facture, ça ne nous occupe pas en priorité parce que chacun a droit aux soins. C'est ça la réponse. D'un enfant qui venait de faire pipi, enfin de faire caca, on a couvert l'enfant, on l'a entouré de bagnes. Elle-même a pris ses mains, sans gants. Elle a lavé, mais quelque part. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans le spécial magazine Oyo Kosala Awa. Nous avons un CHIP, Centre Hospitalier Initiative Plus. Tu es à na Flamboya, na commune ya Gombe. Tu es à pourquoi? Parce que tu as un témoignage à un grand professeur ya mboka na biso, le professeur Banza oyo azaki bon admis awa après avoir recevoir prise en charge ya malamu a se décidé à lobby il faut à communiquer à talisa bino bandeko boza libanda bino bandeko boza na Kinshasa Valère ya hôpital oyo to zalango le na mboka. Je ne veux pas beaucoup parler. Tola nana yemoko ni nanga ipsa biso et puis to rozonga na sima pour que to sola biso na bino. Merci. Professeur Banza Malale Makuta Gabriel. Je suis tenté d'écrire quelque chose dont l'intitulé est celui-ci. À la découverte de l'initiative Plus. Parce que je pense que ce que nous connaissons de cette initiative, ce n'est pas ce qui est. Ce que nous connaissons, ça c'est à mon niveau. J'ai considéré que cette maman Olive, ce qu'elle est en train de faire, ça se limite aux choux, ça se limite aux manioc, aux tomates, et aux petits mouvements, grands soient-ils,
pour les uns, petit soit-il, ce mouvement-là de déplacement, aider les orphelins et autres. Mais finalement, je viens de me rendre compte que c'est toute une structure qui pouvait avoir la valeur d'une structure d'État. Mais contrairement à ce que ça représente, c'est une initiative d'un individu. Et un individu qui fait beaucoup de choses sans que l'on s'en rende compte. Et pourquoi il faut découvrir? Parce que moi, je viens de découvrir grâce à cette maladie. Je suis arrivé, je suis tombé malade, on m'y a conduit. Je suis arrivé, comme vous me voyez là-bas. On me soigne à l'extérieur, notamment à New Delhi. Mon hôpital, c'est Apollo Hospital. J'ai déjà été à l'hôpital du service national de Londres. Ce que j'ai trouvé ici, par rapport d'abord à l'accueil, c'est fantastique. C'est différent de tous les centres médicaux où je me suis retrouvé ici, chez nous. Ça ne donne aucun complexe par rapport à ceux qui m'ont reçu dans d'autres hôpitaux que je venais de citer. Et quand vous voyez le personnel, il a un comportement comme si c'était des scouts formés comme tels, ou des policiers formés comme tels, comme on parlait autrefois par Mosée du service national, on faisait le brassage. Et tout le monde a un même comportement, une politesse, une courtoisie, donc des bonnes valeurs que l'on cherche dans la société, donc une citoyenneté que l'on ne trouve pas en dehors de ce centre. Moi, je suis aussi quinois, mais le quinois, c'est un quinois. Mais celui que je trouve ici, je trouve que c'est un quinois spécial. Si il faisait un effort pour faire valoir cette valeur de ce comportement-là, celui qui travaille ici, dans les milieux où il est en train de vivre, je crois qu'on participerait positivement à l'assainissement de la mentalité de la population. Je suis dit, il y a l'éducation politique, il y a l'éducation civique, il y a aussi l'éducation professionnelle. Donc si chacun de nous se trouvait dans un cadre professionnel où il vit, tel que nous sommes en train de vivre ici, et je pense positivement, on va créer une nouvelle société. C'est ce qui fait que je pense qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est politique et ce qui n'est pas politique. Donc ce qui est politique, ça ne doit pas beaucoup plus avoir de l'ascendance sur ce qui n'est pas politique. Je ne sais pas si ça s'est fait pour tout le monde. Je suis arrivé, on ne m'a pas exigé l'argent. On ne m'a pas exigé l'argent. On m'a reçu. Après m'avoir reçu, on a commencé à s'occuper de moi. Pendant que l'on s'occupait de moi, je me sentais comme si j'ai créé un crime. Est-ce qu'ils savaient que j'ai l'argent ou je n'ai pas d'argent? À un moment, madame a posé la question, bon, il faut nous donner aussi la facture. Je dis, non, la facture, ça ne nous occupe pas en priorité parce que chacun a droit aux soins. C'est ça la réponse qu'on nous a donnée. L'argent, ça viendra après. Mais si vous voulez les soins, c'est pourquoi vous êtes venu ici. Donc, parce que vous êtes venu chercher les soins, nous devons les disponibiliser. Et quand on a commencé à me soigner, ça fait plus d'une année que je souffre. Et je sens, ils sont très attentifs, ils viennent. Et il me pose toutes les questions, les médecins comme les infirmiers. D'abord, le nombre, je ne sais pas. C'est comme s'il y a des centaines de médecins ici. Et le personnel, il y en a plein ici. Et comment est-ce que ça fonctionne? Ils se sont occupés systématiquement de moi. Et de manière vraiment où vous trouvez même le plaisir d'être malade. Je leur ai dit ça. Je dis non, on a même envie de rester malade. Vous voyez un peu ce que ça représente. On a envie d'être malade parce que c'est en quelque sorte un décor paradisiaque
Alors que les hôpitaux sont des lieux, quand on y entre, on cherche rapidement d'en partir. Oui. Donc c'est un peu ça. En ce qui concerne les soins, et la manière dont ils y ont mis de l'attention, après avoir comparé tous les examens que j'ai eus ailleurs, et après avoir examiné mon cas, parce qu'ils prennent le cas des malades, ils en discutent avec ceux qui sont dans le forum pour trouver les voies et moyens. Et hier, je me dis, j'ai eu un miracle de guérison. J'ai eu un miracle de guérison et j'ai compris que cette structure ici, elle a pour socle, elle est fondée sur un aspect spirituel positif, aussi pas divin, qui fait que quand vous travaillez avec ceux qui sont ici, ça vous accompagne vers la guérison. J'ai souffert, cette jambe ici, elle me faisait très mal. Elle me faisait très mal et je pleurais comme un petit enfant. Vers 3 heures du matin, chaque jour. Mais aujourd'hui là, j'ai dormi. Quand c'était vers 3 heures, je me suis réveillé parce que le corps était déjà habitué. J'ai réveillé madame. Elle dit, viens d'abord. Elle a quitté son lit. Elle est venue, tu vois, les douleurs que j'avais, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et alors, ce sont des choses difficiles à expliquer, mais nous pensons qu'il faut faire un effort pour expliciter davantage, au-delà des choux, au-delà des tomates, des maniocs que l'on présente à la télévision par rapport au travail que maman est en train de faire. Il faudrait expliquer aussi ce qui est de sa tête, qui rencontre la pensée d'une structure aussi grande que celle-ci. On a discuté avec madame la nuit. Tout ceci, ça exige l'argent. Or, il y a ceux qui travaillent aussi pour l'argent. Et l'État lui-même a aussi besoin de l'argent pour faire. Mais pourquoi est-ce que l'État a l'argent, mais on ne voit pas qu'il y ait des structures qui puissent participer à l'amélioration des conditions de vie de chaque citoyen, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais elle, si elle a des grandes responsabilités par rapport à la gestion de la vie sociale, par exemple, de la vie humanitaire, par exemple, est-ce qu'elle pourra voler? Est-ce qu'elle pourra détourner? Parce que ce qu'elle a, si c'est beaucoup ou si c'est peu, mais c'est déjà destiné à une activité à caractère social, à une activité qui rentre dans le circuit du développement. Donc, et alors, nous avons conclu avec madame, il n'est pas tout simplement nécessaire de créer des réformes de l'État, il est aussi très important de préparer l'homme à être à la tête des activités favorables à l'amélioration des conditions de vie de l'homme. Et maman, je pense que Dieu lui a donné une grande mission pour laquelle nous devons considérer comme ce qu'elle est en train de faire soit une école. Il ne faut pas cacher ça. Et ça, je condamne. Parce que tout ceci, moi, je viens de découvrir. Il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin de connaître, qui ont la même conviction que moi d'en laisser ces histoires-là de tomates et de choux. Il faut vraiment présenter les activités qu'elle est en train de faire dans leur état naturel et global. Les présenter, c'est aussi la recette dont la population a besoin. Et il ne faut pas qu'elle se focalise simplement dans les milieux comme Kinshasa, qu'elle s'éparpille et qu'elle fasse une école. L'hôpital dont je parle là, de New Delhi, l'hôpital d'Apollo, ça, c'est une œuvre d'une femme qui est morte il y a très longtemps. Mais c'est un hôpital où il y a plus de 5000 médecins. Des malades viennent de partout. Quand vous y entrez, vous vous posez des questions, comment on va me recevoir? Quelques minutes après, l'administration fonctionne de telle sorte que ce que j'ai trouvé là-bas, c'est ce que je viens de trouver ici. Et surtout quand vous allez chez Kiyola, vous ne pouvez pas
rester comme ça une, deux minutes sans voir quelqu'un qui vient vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes là-bas et puis très gentiment. Et personne ne m'a appelé monsieur. Personne n'a appelé madame, madame. Tout le monde, c'est soit papa, bonjour maman. Qu'est-ce que l'on peut faire pour vous? Ce sont des attitudes comme ça qui manquent. Ça m'a donné l'idée, autrefois, quand nous fûmes enfants, tous ceux qui travaillaient, les femmes surtout qui travaillaient dans des hôpitaux, on les appelait ma sœur. On les appelait ma sœur. C'est ce que j'ai trouvé ici. Le personnel éduqué, instruit d'une manière vraiment citoyenne. D'abord, vanité de vanité, tout est vanité. Ça, il faut qu'on le sache. Je suis entré ici, il faut connaître la tenue dans laquelle je suis entré. Je n'ai pas besoin de la veste parce que cette veste-là ne pouvait pas me soigner. Je n'ai pas besoin d'un pantalon parce que ce pantalon-là ne pouvait pas me soigner. Ce titre-là des professeurs, c'est à l'extérieur. Mais devant la maladie et la mort, ça n'a pas de résistance. Donc, si j'acceptais que vous veniez, on m'a posé la question, que vous m'avez d'ailleurs même posé la question si je suis à l'aise. Je suis plus qu'à l'aise. Plus qu'à l'aise, pourquoi? Parce que de la mort à la vie, donc nous sommes aujourd'hui à la vie, les efforts effectués et la simplicité qu'il y a dans le personnel, ça m'a marqué. Donc, ça ne vaut pas la peine d'être grand en voulant être, démontrer qu'on est grand alors qu'on est faible, on est petit devant la maladie. Et quand vous y entrez, c'est des petites filles hein, qui sont en train de s'occuper de nous, au point où même l'intimité, comprenez ce que je voudrais dire, à un certain moment, ce que vous cachez, chez eux, ça ne dit rien du tout, mais plutôt, il faut faire le travail, un travail efficient. Mais parce que je suis à cette étape, c'est grâce peut-être à cette tenue que je suis arrivé à obtenir la bonne guérison. Donc, je n'ai rien à vouloir être professeur, tout en étant malade, je voudrais plutôt être guéri et que l'on m'appelle professeur. Donc c'est un peu là. J'ai fini par comprendre pourquoi elle-même, quand j'étais chez Kiola, on a montré une image d'un enfant qui venait de faire pipi, enfin de faire caca. On a couvert l'enfant. On l'a entourée de bagne. Elle-même a pris ses mains, sans gants. Elle a lavé. Mais quelque part, quelle est la leçon qu'elle nous donne? Mais il y a aussi un homme pour qui nous avons tous beaucoup d'estime, de considération. C'est Jésus. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et je pense que ce sont des petites choses à intégrer dans notre mental pour que l'on connaisse que quand on a une responsabilité, on doit plus être au service de la communauté plutôt que la communauté soit à votre service. Ce que je voudrais vous dire, vous qui me suivez et qui me suivrez, il faut faire un effort pour découvrir, c'est ça le thème, hein? Je vais écrire à la découverte du CHIP, Centre Hospitalier et Initiative Plus, sur ce chemin-là. C'est sur ce chemin que je suis. Pour que les gens découvrent comme moi j'ai découvert, comme ce que je suis en train de découvrir et de vivre. Ce ne sont pas des rêves, ce ne sont pas des chimères, ce sont des faits vrais. Donc, découvrons. Et permettez que vous puissiez vous-même être à la hauteur de communiquer pour permettre aux gens de découvrir. Non, merci beaucoup. Et que Dieu ajoute, d'abord que Dieu permette à l'initiatrice de finaliser ce qu'il a mis en elle. Parce que ce que j'ai découvert, apparemment, c'est un processus qui est à une étape. Même si je suis satisfait, est-ce que c'est la fin?
Que Dieu lui donne le temps, qu'il lui donne la santé, qu'il lui donne la longévité, qu'il faille les énergies pour arriver à finaliser l'objectif qu'il a placé en elle. Et au reste, qu'il la bénisse et lui donne beaucoup de temps sur cette terre des mauvais. Vous imaginez, depuis l'année passée, j'ai des douleurs insolites, des douleurs que je n'explique pas, des soins médicaux, je les ai obtenus. Si on pouvait quantifier les comprimés que j'ai pris, les médicaments que j'ai pris, ça peut même faire une petite assiette, enfin un petit sac. Hein. Alors, à un moment, il y a un médecin, celui qui m'avait soigné de Goma, qui avait soigné mon épouse aussi, et même ma fille qui est au Canada. Il s'appelle le docteur Soft. Il est arrivé à Lubumbashi. Je l'ai invité chez moi à la maison. Il a fait des travaux, il a fait des examens. Il a découvert que c'est l'origine de ce dont je souffrais. Il m'a envoyé au centre, à un labo qui est à côté de du gouvernorat à Lubumbashi. C'est Advance. Ce sont les Indiens. Ce qui a confirmé ce que lui avait découvert. Venait de découvrir. Et il m'a dit, je vais à Kinshasa. Alors, si vous voulez que je vous soigne bien, venez à Kinshasa où il y a mon matériel et tout. Et je suis arrivé ici. En arrivant ici, il s'est occupé de moi très correctement. Le samedi, on n'a pas eu de contact, lui et moi. Mais comme il y a eu aussi un diabète qui s'est caché, alors, le sucre est arrivé à 565. J'étais très fatigué. Madame s'est obligée de me prendre pour venir me déposer. C'est-à-dire que l'on cherchait où il fallait aller. J'appelais mon médecin qui me soignait pour lui dire, alors que son téléphone était aussi low bat. C'est quand je suis arrivé ici qu'il a découvert mes appels. Et je suis en communication permanente avec lui. Tout ce qu'il a diagnostiqué en tant que tel, ici, dans l'échange des médecins, selon leurs échanges, leurs discussions, en tout cas, ça a répondu au même résultat. Et alors, c'est ainsi que je me suis retrouvé ici, sur un chemin que je ne connaissais pas. Parce que moi, le chemin de Chip, d'ailleurs vous appelez Chip, moi ce que je connaissais c'était Initiative Plus, alors que c'est Centre Hospitalier de Initiative Plus, donc je ne connaissais pas, d'où il faut que d'autres aussi connaissent, il ne faut pas aller perdre le temps ailleurs, il faut aussi oser de venir ici, je crois qu'ils ne seront pas déçus. On m'a parlé de la prostate. Parmi les difficultés que j'ai eues, je ne pouvais plus faire pipi. Ça faisait trop mal. Et on m'a exigé de prendre beaucoup d'eau. Plus je prenais de l'eau, plus je devais faire pipi. Avec toutes ces contractions, ça, j'ai commencé à voir tout le corps me faire mal, plus que même les douleurs que j'avais au niveau de la jambe. Alors, tout ce qui se disait en préliminaire, hein, c'était la prostate, c'était les reins, c'était hernie discale. Mais les jeunes gens ici, ils se sont assis sur le travail, ils ont commencé à écarter toutes les hypothèses. Et hier soir, c'était ma délivrance. Il n'y a pas de prostate. Il n'y a pas de problème de reins, ni hernie discale. Ils ont localisé le mal. D'où ça venait? Parce que j'avais fait un faux pas l'année passée en m'appuyant sur le coudoir de la chaise pour ramasser le câble de l'ordinateur. Je m'étais coincé et en ce moment-là, on avait laissé une ouverture à partir de laquelle un rein, enfin un nerf
a été touché par l'os, a été coincé. Donc eux-mêmes disent le gonflement. Mais maintenant, il y a les effets, c'est du côté droit. Vous sentez, ce n'est pas à l'intérieur, c'est pourquoi ce n'est pas facile à expliquer. Ce n'est pas à l'intérieur, ce n'est pas dans l'os, ce n'est pas à la surface. Mais j'ai des douleurs. C'est comme des radiations, d'électricité. Quelque chose dans ce sens-là. Des douleurs, difficile à expliquer. Des douleurs qui se radient, qui partent d'un point et qui... Voilà. Et les douleurs que j'ai au niveau de la jambe, qui s'est fatiguée, c'est quand vous dormez sur le bras, vous allez sentir que le bras est... bloqué, enfin, le mouvement est bloqué, le mouvement, alors ça crée des gaz, ce que nous appelons, je ne sais pas si c'est un terme approprié, non, le bras est pratiquement paralysé, mais des douleurs, la jambe, c'est comme si j'ai metté ça dans le piment. Des douleurs, vous voyez, vous avez des blessures, c'est comme ça, ce sont les douleurs que j'ai ressenties. À partir d'hier, ce gaillard-là qui vient de frapper à la porte, ce médecin, qui a pris soin de m'expliquer tout ça étape par étape, et quand je suis arrivé moi-même, j'ai sauté de l'ambulance. On n'est pas venu me prendre par la chaise. J'ai senti une joie extraordinaire. Et j'ai appelé tous mes enfants, mettez-vous en conférence, vos prières. Ils se sont mis en conférence et commencé à suivre, ils n'ont pas cru. Ils sont en train de suivre. Donc c'est un peu... Je crois que... Faites un effort pour que chacun découvre. Chaque Congolais doit découvrir ce que l'on appelle CHIP. Centre hospitalier Initiative Plus, votre santé, notre priorité. Chers amis téléspectateurs, moi aussi je viens de vous les confirmer. Banderonanga, Oboza Libanda, Toboza na Kinshasa, Lelo, Toza la fière que Moutaza Souna Posa ou voyage Téa Kene Libanda Mboka pour Azoba soin ou Esengeli Naye. Maman Liv Lembe Kabila, Achelibiso, trois hôpitaux Lelo, na Katia Ville à Kinshasa, Awa, ou Ezo permettre na Moutou, na ba qualité à soin ou Eza Awa. En tout cas, Oza Souna Bezo ou Luka visate, billete pour Oza la soigner. En tout cas, Boya. Ah ouais. Moi, en tout cas, je vous exhorte, Bandeko Bogota, Langaï, partout dans le monde, ceux qui ont besoin de problèmes, il y a des maladies, ils ont des moukiers, ils ont des mounen, ils ont des rayons, ils ont des malibanda. Bolandi, professeur, ils ont des choses qui sont en train de se faire, ils ont des choses qui sont en train de Londres, pour qu'ils aient des soins, mais à cause de cet hôpital, à quel ils sont et ils ont épargné même côté économie bon et vendu, et puis ils ont permis de nous avoir des soins. Mais en tout cas, on a un panza sans hôpital. Panza c'est un hôpital où est salamité na maramo ma vraiment ma politique exact a ezama maramo ya santé d'abord ya peuple congolais bon monde ba komi a priorité ya mamou Liv Lembe pour na peuple congolais ali ke baso ba santé ya malamu et technologie a tellement avancé que moi aussi je vous exhorte donc a ma sur les opérations ça na ba laser on n'a pas besoin de vous ouvrir les corps rien que la ba laser ba ndego ba rubika na zo ka ba opération ya ba cerveau de salama awa. C'est-à-dire cerveau, opération cerveau, salami, moutoupa, biki. Je ne vais pas beaucoup parler. Bandegonanga, boya, qu'on visite l'hôpital, boya, qu'on se faire soigner l'hôpital, parce que maman Liv Lembe Kabila Lobi, votre santé est la priorité. Merci Nadeo Mwanda pour la prise de vie. Merci na Bandekoutou. Merci na coordination, maman Angèle Kanam, oyo, Azaro Sungabiso, pour que Bino Botsi d'abord, la Namakambu, tous les gars, on a bétan, on a Bino, tout le monde prochainement. Merci, bye.